Mais ça c'est là quand moi moins faire libre c'est voisinage mon en avion allant tout il vient acheter si au besoin j'y a il vient prendre au besoin bah pour le bois il vient acheter non mais moi bah moi business hein, même les il est rentable il pas quantité et puis souvent si ça ou faire 50 gouttes c'est lui même pour manger avec timounio là ou toujours battre. Pour ti maman l'argent n'a pas fini dans mon mail ou pas qu'à joindre un bénéfice pour ta dit pour régler un bagage parce que si on fait celui-là, c'est les mêmes manger, c'est louper l'école pour tout le monde, ça va être pour laver, ça va être pour faire tout le bagage. Parce que si tu as croisé deux bras ou pas grand monde qui a pris de bas ou pas grand monde qui a fouillé, mais prend la vie a pire de bout. Si tu regardes dans la rue, dans toute la rue où tu as marché, ou après c'est petit marché, c'est marché qui tout côté. Ou après tout dans la rue, c'est garage. C'est moun qui vend 4 téléphones, qui vend recharge électronique téléphone, y a vend téléphone, ou y a vend musique. Dans la rue, ou après c'est dans tout secteur net, agriculture même, c'est pirate, élevage, la paix, c'est tout secteur net. Pour nous même, économie informelle là, l'équipe pays à environ 95%. Moun yo pa gen licence, yo pa gen patente, yo pa paye l'état, yo pa gen kay fixe. Le soir kou fè nou arrive, tout moun mare paquet yo, tout moun pran boutique en bilan yo, yo tout rentre la kay yo et la ri a vide, pa gen ken espace ki kontrole. Dou, c'est des bagay ki occupe provisoirement nan moment bien déterminé. Bonjour. Le secteur économie informel là c'est moteur économie haïtienne. Et nous-mêmes, comme organisation de masse, nous sentons une nécessité pour nous travailler avec mesdames Zaro pour nous montrer et organiser davantage pour défendre les droits. Comme travailleurs indépendants. Pour moi-même, je fais reboisement, je plante des pieds bois. Côté pour me venir, me planter, me travailler tout. Là, je toujours dit mes travail, ma travail était tout, me planter pied bois pour me faire plantation, pour me vendre avec monde qui pas gain. C'est comme ça nous même femmes nous brasser dans tout domaine net, nous brasser toutes gens pour nous cap faire économie, pour nous cap avancer avec économie. Nous aujourd'hui, mesdames, nous faire face à de grandes difficultés. Manquer marché public, majorité là de c'est dans là où il y a dégagé yo. Et nous, on va retourner la mairie, on va saisir les marchandises. Mesdames, c'est l'argent escompté, c'est l'argent qu'on a au point. Parfois, on achète le charbon, on achète, on achète en dehors, on va venir ici. Parfois, on achète, on perd des souliers, parfois, on achète. On fait des souliers parce que les choses sont détendues, on les monte, on les descend. Parfois, on vient acheter, on vient venir ici, on vient vendre. Voler pour cobla dans mon continue après ça yo les voler fin pour cobla dans mon li batou encore met sous li marché public yo ta supposé gen plus sécurité parce que le nous constate vi retourner marché public yo du fait apprendre dans marché public yo c'est un problème de manque de sécurité comme moi dis ça pour l'état en soi par le biais de la mairie, planifier pour créer d'autres marchés publics pour mesdames ça rejoindre côté pour chita. C'est ça que nous-mêmes au niveau Renafam, nous avons nécessité pour nous servir porte-voix mesdames ça. Côté voix ou pas arriver, nous-mêmes Renafam, nous faisons voix arriver pour nous. Nous avons une formation, organisationnelle qui sont organisation et nous avons une formation sur le syndicalisme et l'environnement, nous avons une formation tout sur économie, nous parlons avec nous, bon livre, nous travaillons avec les en monte bon gens coopératives. Entre eux, ils organisent ça que les sols sabotage. Son système économique, ils monte entre eux-mêmes. Nous-mêmes, des petits coblagues, moi et la mienne, pour nous acheter 2-3 balles, ça nous a besoin en plus. Mais si nous n'avons pas acheté un balle, il n'y a pas d'avantage. Comme si ça, on perd ou perd net.
Mais là, moi, en plus, là, il y a un avantage pour acheter deux ou acheter trois. Quand il y a un bénéfice, là, ou quand je viens, si on tire sur le marché, là, là, ou marché, si on dépose, on dépose, on peut manger sous nous, on peut sous lui. Mais si on celle qui est là, il n'y a pas d'avantage pour. On a parlé d'économie solidaire. Hein? Économie solidaire, on a parlé de mutuelle, et son compagnie, etc. Tout ça qui est capable de mettre mon ensemble, regrouper mon ensemble en termes d'économie pour nous avancer, mouvement syndical là. Là. Et faire pour nous des entrepreneurs, même qui viennent sortir en un mouvement et puis qui travaillent pour le pays. Voilà la question. Dès qu'on fait jardin, jardin pas tellement bon pour moi parce que je me perds en pile. Je ne pas tellement faire jardin. C'est acheter, m'acheter plutôt. Les m'acheter, elle est plus bon pour moi. Je vais acheter plutôt. Parce que les gens ont dépensé pour travail, pour payer en grès, ce n'est pas facile. Les gens ont perdu en pile, ça devient pas travailler encore. Les paysans ont un encadrement technique. Mais cool, hein? Depuis après le passage du gouvernement passé, pas de crédit agricole, pas de engrais dans la section, pas de semences. Et les paysans ont acheté un engrais tête nègre et ils ont vendu à bas prix. C'est que c'est dans l'informel de travail. Fanel Bessis. Seigneur Solange. Où est-ce? Ça, c'est Mutuelle Solidarité pour l'intégration d'une vie meilleure. Merci, Mène Jeune. Qui s'arrête en Mutuelle? En Mutuelle, c'est un groupe qui a le même problème, qui a le même objectif, qui peut être ensemble pour atteindre l'objectif et résoudre le problème. Moi, je suis content pile avec association ça nous joine et puis qui mettait Mutuelle ça sous côté nous malgré ces boîtes dans boîte c'est fois n'a peur pour nous faire 60 gouttes là parce que non pas à l'aise mais grâce avec organisation avec Mutuelle là si nous malade n'a pas 50 gouttes pour aller à l'hôpital n'a touché ces les récoltes là bon ce que récolte là mal passé nous pas touché et c'est pour cette raison qui fait que nous pas obligé à faire bruit dans la radio seulement. Mais, si on a une chaîne, on prend la rue pour nous descendre pour l'engrais. L'année passée, nous avons fait l'engrais après l'État. Nous avons fait un petit poids après l'État. Nous avons continué à demander jusqu'à ce qu'il y a, pris les responsables pour nous demander en de ça, combien d'engrais nous avons pour l'organisation dans le secteur paysan qui avait acheté l'engrais. Nous avons travaillé, fait formation pour permettre aux membres nous. Dans chaque département, vous comprenez qui sont les syndicats et qui ça vous avez comme revendication. Et à partir de force, ça, n'a pas arrivé à faire revendication au passé à travers l'État, à travers la société civile, à travers toute instance qui est dans le pays. L'informel dans la construction, ça veut dire que c'est la façon dont on travaille là. Le salaire n'est pas défini. Le salaire n'est pas défini, on paye au ça au blé. Souvent on paye au ça au blé. Moun sa yo pas grand travail stable tout. Yo pas grand travail stable et puis yo gen responsabilité, yo pas ka subvenir à besoin yo. Nous regrouper nous juste tout pour nous porter support à moun sa yo pour sortir dans en misère. Que pour ta gagner un petit aller mieux. Pour moun qui vient jodi yo, m ta frèmi fon tire aller pour nous sous syndicat. Non syndicat, c'est SCPH, syndicat des constructeurs professionnels haïtiens. C'est pour tout haïtien, boss maçon, contremaître et carreleur, tout le monde qui fait partie de construction. Et membres nous autres, nous toujours mobiliser juste pour nous venir ensemble, pour nous chiter ensemble, pour nous faire un brassage d'idées, pour nous tirer ce qui est plus bon pour nous. Nous toujours dit, c'est nous-mêmes qui bossons tête par nous. C'est nous-mêmes qui blanc tête nous. C'est nous-mêmes, nous c'est boulanger la vie, nous c'est nous pour travailler pour changer condition la vie. Si nous pas travailler pour changer condition la vie nous pas changer. Si nous pas bail métier nous hier, si nous pas bail valeur, pas grand monde qui vient bail valeur pour nous. Je ne sais pas si chaque qui là, en tant que boss, nous sommes capables de lever, nous allons devant le ministère ou encore devant le bureau pour nous faire une revendication passée. Nous garantissons que l'arrivée de la sécurité a poussé, nous a bousculé. Parce que ce n'est pas fort, il n'y a pas qu'à recevoir tout le monde. Mais par contre,
Si nous regroupons nous, qu'on y a là, nous avons une adresse, nous avons un bureau, etc. Revendication, nous sommes capables de faire revendication, nous passer. Gen bagay, nous capable demander, nous capable demander formation, nous capable faire les défendre droit nous etc. C'est raison d'être qui fait nous réunir nous en syndicat. C'est tellement important pour les paysans organiser parce que ces couches dans pays a gen plus problème. Pour faire jardin, son casquette chinois. Pour faire tu à l'école, son problème. Pour manger, sont chargés. Pour vivre, tant que tout bon vrai, ça c'est la gangrène dans l'opéra. Ça fait que d'où la nécessité pour paysans chaque jour organiser et non organiser yo, yo ka porter en amélioration après un propre force par et puis après mon avis aider. Parce que les nous organiser nous garder ça, un seul monde qui a fait, les nous trois, quatre, nous regrouper nous ensemble, nous avons fait. Problème de base, problème de fond, organisation, pas qu'à poser pour un grand monde. Il n'y a pas qu'à poser par deux mondes, mais qu'à poser par une association, par tout le comité, toute l'équipe, qui pour chiter ensemble, qui pour faire une analyse de situation, et puis ils monter. Ils ont toute une plateforme de toute revendication, ils ont identifié les problèmes, ils ont placé par ordre prioritaire, ils ont fait un plan, ils ont soumis à le comité. Ça, c'est le rôle fondamental organisation ou pacadime pour évoluer cette organisation et laisser ça isoler et laisser ça même connaître cela. Et ça fait, on a toujours encouragé tout travailleur, quel que soit dans le secteur où vous trouvez là, pour l'organiser tête-là, une association syndicale pour être capable de défendre mieux l'intérêt. Emploi formel dans le pays, c'est un emploi. Côté moun nan lap travail, li gen un patron, côté patron, chaque mois ou encore chaque quinzaine, li bali un chèque ou encore li bali un enveloppe qui gen l'argent là-dedans. Mais là, quand on est dans le secteur informel, là, c'est totalement différent. En pile, moun commence d'accord que presque tout secteur, dans sa nouvelle secteur économique formel, là, li gen tendance à vivre informel. Ou jouen et à nourriture, restauration descend dans la ria dans le secteur informel. Ou jouen moun qui gen boutique, qui te kon ap vann rad, qui kon ap vann soulier, qui kon ap vann tennis, qui kon ap vann tout ça ou ka jouen dans un magasin, parfum, et tout bay ça. Ou jouen même moun qui nan cosmétique, qui nan studio de beauté yo. Ou jouen tout moun sa yo, tout descend dans la ria dans le secteur informel. Il y a des gens qui ne peuvent jamais entrer dans la formalité parce que vous avez plus d'argent qui a brassé dans l'informel là que formel là. Parce que même les gens qui sont dans la formalité, c'est les gens qui sont dans l'informel qui coulent les marchandises. C'est lui-même qui coule plus d'argent dans le monde, des 300 000 dollars, la coule dans l'informel là. Sauf que l'IPAC. Et le fait qu'elle soit formalisée, elle n'est pas entrée dans le cadre légal, elle n'est pas rapportée à l'État directement des revenus, des taxes qui pour permettre que soit capable de bailler un encadrement à lui-même. Mais pour bailler travail, pour qu'elle la vie dans le pays, le secteur informel là, plus garanti que le secteur informel. Yo. Fermé Izinasco. Et les fermé Izinasco, c'est presque à 50 à 60 000 ouvriers qui ont lagué sans travail. Nous prenons Téléco, nous prenons APN, nous prenons ONA, nous prenons pile l'autre côté industrie ça yo que moun sa yo yo révoqué yo sous béton. Entreprises ça yo particulièrement ou industrie ça yo, c'était des entreprises ou bien des industries stratégiques. Et entreprise industrie stratégique ça yo, yo gen pou rôle fondamental pour protéger souveraineté nationale là. Et nous pral rete un seul ti entreprise kounye là qui c'est entreprise EDH. Malheureusement, EDH est à moitié privatisé
et de plus en plus il y a pas faibli li pour yo permettre qu'il pas produit service qu'il lui produit et li pral entrer dans même dynamique que ses finances y a financer fonctionnement li yo pral subventionner li pour justifier qu'il pas capable et tout bagage ça yo pral voyer trois ka moun qui était dans secteur ça ou dans chômage pour gagner yon pays effectivement qui a émergé qui en voie de développement il faudrait penser avec secteur informel là et bal tout encadrement possible moun ki yo ka rale pour monter nan formel pour le venir informel en attendant ou ap étudier un plan social pour l'autre moun ki rete nan informel là mais au moins si nan 10 ans m te gagné 80% dans l'informel est-ce que m ka prend 20 m kite 60 au moins pour me commencer on l'est hein pour nous commencer ça que nous souhaiter pour nous commencer on l'est retirer on parti mon sorti dans informel hein vin dans formel et retirer pays à dans l'informel en la vivre en tout mettez pays à formellement pour fonctionner et tout le monde a bien géré ouvert sur lui ou l'état en tant que premier acteur li doué étudier une possibilité pour bail catégorie moun sa yo encadrement parce que si société a fait face à un problème de sous-emploi et moun sa yo prend et catégorie moun sa prend initiative pour créer une activité économique pour survivre pour répondre avec besoin famille yo c'est quand même c'est quelque chose de positif et capable dit yo mérité tout encadrement possible et imaginable. Et pourquoi pas l'État pas créer tout en dans société a une structure financière qui prend en charge lui-même encadrement moun sa yo parce que si on prend économie moun sa yo en soi taxe que yo te ka rapporter revenu que yo ka rapporter à l'État li capable considérer un fonds qui permettent l'État lui-même avec fonds ça lui-même li encadrer li structurer secteur ça et le bail secteur ça forme li bail secteur ça vie et lui permettre que l'État rentre plus moyen et lui permettre l'État capable de subvenir à plus besoin et laisser l'État gain moins l'État moins redevable envers financement international et l'État gain plus bas et moi même j'étais toujours quoi que si l'État était bien qu'on ramasse taxes lui si l'État était fait ça pour le faire par rapport à situation budget nous pas t'a besoin dépendre autant de financement international par rapport à toute tranche que nous besoin jusqu'à 65-70% dans le budget de l'État. Ah, Timon Michéri! La protection sociale, le travail décent, c'est une priorité des priorités, des mesures d'accompagnement pour côté les plus vulnérables. C'est pour l'État accompagner eux. Et c'est ça nous encourager, cantine populaire, nous encourager, Timon Michéri, nous encourager, même 1000 gouttes, il y a pas de monde par mois. Mais il y a des gens qui connaissent toute existence, il y a 1000 gouttes par mois. C'est beaucoup ça, mais c'est mieux que rien. Mais ça qu'a fait déjà, c'est encourager. C'est encourager, tout simplement. Et c'est demander et renforcer. Quand du travail là, pas de gain provision pour une série de catégories sociales. Hein? Qui pas de gain. Et secteur informel là, pas de place pour lier se comprendre là-dedans. Et aujourd'hui, il faut nous intégrer, comprendre la donne, le secteur informel. Et c'est l'une des raisons qui nous-mêmes nous travaillons dans la réforme du code du travail là, pour nous adapter à la réalité. L'État a pour devoir pour yo codifier, pour yo mettre en dans loi un chapitre qui traite cas particulier ça. Et mettez encadrement pour bail si moun qui dans secteur ça en tant que travailleur gagne une difficulté qui gens pour yo faire pour yo défendre et qui couverture légale qu'il gagne en tant que travailleur dans secteur ça. Bonjour, moi c'est secrétaire général yon organisation syndicale qui est le SCPH. Nous gon travail n'a faire, c'est recruter tout le monde qui fait tout le monde qui fait partie construction. Pour nous recruter un nouveau membre, nous prenons la rue, hein? Nous parlons de ça, un syndicat, nous expliquons ce que c'est un syndicat, nous faisons mobilisation juste pour nous cas et étendre nous dans tout le département.
C'est un boss maçon là tout qui n'a pas de certificat. Il a fait formation pour nous, pour avoir un certificat, pour nous présenter dans n'importe compagnie de construction pour nous faire des travaux. Le plus souvent, lors de rentrer dans la compagnie de construction, on n'a pas joint et haïtien. Presque, ce sont des l'autre monde, l'autre pays où je n'ai pas de construction parce que ou pas jeune haïtien. Parce que souvent dit que haïtien n'est pas qualifié. Construction pas faite n'importe qui. Construction vient moderniser, que nous avons fait des formations pour eux, pour nous mettre à la base, pour nous rejoindre la phase construction qui a fait pour nous. Ça veut dire votre compagnie m'ouvre des mon certificat même qu'on aime pas rentrer n'importe côté m'ouvre. C'est ça que fait moi mais ça n'a fait pendant nous parler sur ça tout nous inviter donc tout intéressé parce que moi mais ça qu'a fait là. Moi son manœuvre ça veut dire moi compagnie à la pente la victime en pile parce que nous là nous pas gagne rien à faire si compagnie a ta ouvri et puis nous rentrer là dans moi il t'a bon pour nous en pile. En pile. Et puis n'a former moun yo tout comment pour protéger tête yo sous chantier à tout parce que là nous rivé façon nous moun yo nous supposé parler avec eux tout ça veut dire que là sous chantier faut muni de un casque faut gagne un casque dans tête tout faut gagne botte dans pied faut ka gagne gant dans main tout ça c'est pour sécurité santé ou. Tout secteur organisable jodi on commence gagne syndicat motocycliste commence gagne syndicat construction ça pas jamais de gagne dans pays yon. Comment c'est gain syndicat ti marchand, comment c'est gain syndicat pêcheur etc. Ça veut dire que tout secteur dans pays a secteur ça yo li organisable. Pour embrasser en cause yo travailler mais fort contre problème travailler. Faut vivre avec travailler. Nous pas faire organisation dans le château au prince et pour n'a dire organisation à travailler bien. Faut organisation nous vienne la donne pour nous regarder qui ça qui passe en dedans. Comment la travailler la terre? Comment récolter? Comment ti moun y a l'école? Comment ti moun même habillé? Là prend tout indice ça yo ou dit bon hors de défense des droits des membres mais faut garder tout comment ou ka améliorer condition la vie membre. Et c'est pour ça qui fait que nous entrer dans domaine service. Nous pas gagné une formule toute faite de stratégie. Parce que tout le monde n'a pas regroupé sous même condition, sous même question. Ou bien dans ce secteur informel, les gens qui vendent des légumes, ils n'ont pas qu'à mettre ensemble avec les gens qui vendent des produits qui sont à l'étranger, des produits qui sont à l'acheter Santo Domingo. Parce que lui-même, ça c'est viande, ça c'est produits de beauté, c'est savon, c'est bagaille toilette. C'est différent. Et pour cela, la stratégie a obligé, pour faire les font partie par une étude. Et c'est sous base situation problème mounio pour venir faire sensibiliser non premier temps pour conscientiser non deuxième temps pour mobiliser non troisième temps et pour regrouper non quatrième temps et non cinquième temps pour former yo. Premièrement et première stratégie que nous utilisons c'est plus grosse stratégie que nous utilisons à une stratégie de proximité. Dans telle communauté, nous avons besoin de fonds syndicat, qui sont personnes de référence et dans la communauté qui sont capables de mettre en contact avec nous. Une fois que nous avons fait le premier contact pour nous, laissez nous-mêmes, nous avons essayé qui est deux trois leaders. Dans le groupe, ça, nous avons commencé à faire des réunions préparatoires avec eux. Ensuite, nous avons une grande réunion avec ensemble de nous. Et ces organisations, c'est avec eux pour nous faire. Nous n'avons pas qu'à faire sans eux, c'est avec eux pour nous faire l'organisation. Et les gens vont prendre compte que, même au fur et à mesure, il y a même 20 leaders avec l'autre camarade pareil qui pour dire voilà, mais comment me tailler, je dis, mes efforts qui font, mes progrès que je fais, parce que tout simplement, moi je viens organiser, moi je viens syndicaliser. Je pense que c'est la meilleure des stratégies pour que nous adoptions. La Confédération syndicale internationale CSI lance une grosse campagne mondiale sous protection avec syndicalisation travailleurs domestiques. Loi Bayo, un tiers dans le salaire minimum.
légalement, yo gen un tiers dans le salaire minimum. Nan. Et campagne ça, il y a un objectif dans l'année 2012, là, qui c'est le campagne 12-12, là, pour y arriver que gagner au moins 12 pays pendant l'année 2012 là, qui ratifient la convention. Ça. Il est vrai que CSI, jeudi, hein, et fait une enquête mondiale, il y a compte que le taux de syndicalisation très faible. Et il a chiffré la 7%. Ça veut dire, et comme si il n'y a pas de monde qui est syndiqué dans le monde. Et les proportions de monde consacré dans le syndicat qui est aussi faible, laisse voir travailler au vin plus faible et pour être capable de tendre au travailleur lui-même pour autant de voir faut qu'on représente un quoi. Tant qu'il y a plus monde dans un pays qui syndiqué, c'est un plus pays à marcher plus bien, à bien droit social, monio, à bien sécurité sociale, à bien protection sociale, condition la vie monde à vin plus bien. Gardez pour les pays nordiques, si nous prenons un pays comme la Suède, un grand pays comme Danemark, un grand pays comme la Finlande, ou après dans pays ça yo condition la vie moun vivre gens moun doit vivre le Canada moun a vivre gens moun doit vivre c'est parce que gen gros syndicat des syndicats qui très fort qui très solide et dans pays pam nan que c'est Haïti si gen pile syndicat a bien en pile bagay qui changer dans pays ça et moun a vivre dans pays ya finalement moun a vivre dans pays ya tant pour moun et nous pas constituer encore la région du monde nous croyons dans demain. Nous croyons dans le travail, nous croyons dans le pays. Nous croyons dans l'action que nous avons fait. Le pays a son pays qui que nous avons vivre là-dedans. C'est pour nous mettre dans la condition pour nous vivre là-dedans. Et nous croyons ça. Thank you.